Salut, c'est Thomas, Français Immersion TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la chambre. La chambre. On dit aussi la chambre à coucher. Jean-Louis monte un lit. Un lit. Jean-Louis est sur un lit superposé. Un lit superposé. En général, ce sont les enfants qui dorment sur les lits superposés. Les bébés dorment dans un berceau. Un berceau. Et dans une chambre d'enfant, il y a des jouets. Un jouet. Et au pluriel, on dit des jouets. Jean-Louis met un matelas sur le lit. Un matelas. Attention, il y a un S là, mais on ne le prononce pas. Et sur le matelas, on met un drap. Un drap. Attention, à drap, il y a un P, mais on ne le prononce pas. Un drap. Un drap. Et sur le drap, on peut mettre une couverture. Une couverture. Et pour avoir encore plus chaud, on met une couette. Une couette. Et à l'intérieur de la couette, il y a des plumes. Ça, c'est un oreiller. Un oreiller, ça vient du mot oreille, où on pose l'oreille. À côté du lit, il y a une table de chevet. Thank you.
une table de chevet. Et sur la table de chevet, on peut mettre un réveil. Un réveil. Et ça, c'est un radio réveil. Un radio réveil. Et sur la table de chevet, il y a une lampe de chevet. Une lampe de chevet. Et pour ranger ses habits, Jean-Louis a besoin d'une armoire. Une armoire. Et on peut aussi ranger ses habits dans une commode. Une commode. Dans une chambre, il y a aussi un bureau. Un bureau. Et on pourrait encore ajouter un tapis. Un tapis. Voilà, on a vu tout le vocabulaire d'une chambre à coucher. Et toi, comment est ta chambre? Décris-moi ta chambre dans les commentaires sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, inscris-toi à ma chaîne YouTube. Would you like to watch more videos in French? Subscribe to my website and you will receive videos in French for more than 2 hours. Les 7 secrets pour apprendre le français or the 7 secrets to learn French. To immerse yourself in French plus the transcription in French and the translation in English. And it's free! Thank you for watching Français Immersion TV. À bientôt!